Effectuons beaucoup de TP sur l'élevage bovin, contention, drogage et tournage très téton, ainsi que sur d'autres élevages bovins pour 5 et 4 ans. Est-ce que ça, quand on a droit à des boutons, qu'est-ce qu'ils risqueraient ? Alors, première chose, quel type de maladie Simon ? Nous sommes sur une exploitation partenaire pour effectuer un TP sur le thème de la santé et de l'élevage des jeunes bovins. Vous ne faites jamais du coup si vous ne me répondez pas. Yes. Donc vous attendez en fait les dons qu'on peut porter en fait. Porter et amener. Ça déjà c'est une première chose. Et après c'est tout ce qu'on va gérer au niveau du lieu. Les dons en pratique c'est que nous apprenons en cours sur les différentes fermes partenaires de l'établissement. Qu'est-ce qu'on peut constater là? Et ça correspond à ce qu'il montre comme signe. L'organe diarrhée, elle va vous dire beaucoup de choses. Si c'est blanc, c'est plutôt alimentaire. Si c'est noir, c'est quoi? Voilà, ça clignote, c'est que c'est bon. Vas-y. Ah, mais arrête de bouger. Ça va. Très bien, Simon. Oui, au lieu que ce soit... Au lieu que ce soit bien lisse comme ça, d'accord? Après, la boucle BVD, donc c'est la blanche. Avec la petite partie à récupérer après. Tac. Ça va ne pas perdre là, le petit tube. Le petit tube où on met le. Tac. Et donc là, il y a le petit. Attention. 5 minutes, c'est déjà plus. 38. Voilà, 38. Donc vous mettez 38 là. Température départ, pot au bain-marie, 38. Ça vous permet donc le réfractomètre de savoir la qualité du colostrum. Surtout le rien. Nous nous sommes entraînés à faire un examen clinique du veau ainsi qu'une expérience sur la température du lait. Les différents points à surveiller chez le jeune veau, les oreilles, le nombril, l'abdomen, l'arrière-main, la tête et la prise alimentaire.